Sevins, alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un autre test sur une licence que vous avez déjà tous connue et que vous êtes horriblement fan, à savoir Captain Tsubasa Jiget in the Tomorrow, sorti en 1996 sur PlayStation 1 ou PS1, ça dépend comment on l'appelle, et vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment d'un jeu tiré de la licence Captain Tsubasa, plus connu chez nous sous le titre de Olive et Tom. Alors, sans plus attendre, on va s'intéresser à quelques petits matchs. Bon, c'est un jeu de foot, bien évidemment. Et en plus, c'est un jeu japonais. Donc, regardez, on va voir si on peut prendre. Alors, voilà. Alors, là, vous avez toutes sortes de là, j'ai pris un petit match au hasard. Bon, ça, c'est probablement lancer des matchs. Probablement des matchs amicaux. Allez, on va prendre ça. Allez. Bon, c'est en japonais, mais j'ai réussi, comment dirais-je, comment dirais-je, à traduire, si je puis dire. Enfin, encore faut-il que j'ai réussi à traduire. Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est pas là, vous aurez compris, il s'agit de diverses équipes. Alors, qui comprend l'univers de Captain Tsubasa ou Olive & Tom, ça dépend comment on l'appelle. Alors, vous avez toutes sortes d'équipes. On a la Hollande, là, c'est Taïwan, la Thaïlande, le Japon, ça, c'est la Juventus, le Milan AC. Ça, je pense que ça doit être l'Inter de Milan. Je pense. Ça, c'est Sao Paulo. Et ça, c'est l'équipe de Flamengo. Voilà. Et ça, je sais pas ce que ça va être. Ah oui, ça doit être probablement l'équipe junior du Japon. Alors, il existe aussi d'autres équipes, mais le problème, c'est que je ne sais. Il faut les débloquer. Pour ça, il faut lancer des matchs en mode histoire. Mais bon, comme on n'a pas le temps, donc on va prendre au hasard. Allez. On va prendre un petit match, voilà, on va prendre Taïwan et on va prendre l'équipe de la Thaïlande. Allez, pourquoi pas? Alors, attendez. Ouais, alors, les stades dans ce jeu sont un petit peu légion. Bon, là, ça va être probablement le stade de San Siro à Milan. Bah, tiens, on va prendre celui-là. Allez, à tout hasard. Bon, j'en profite également pour faire une dédicace à tous les fans de Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom. Et là, ce que vous voyez, là, c'est l'écran de téléchargement mettant en scène Kojiro Yuga, plus connu sous le nom en français de Mark Randers. Et c'est parti donc pour ce petit match opposant l'équipe nationale de Taïwan, enfin de l'archipel de Taïwan, opposée à l'équipe nationale de Thaïlande. Allez les mecs, on va montrer qu'on est plus meilleur que les Chinois. Alors c'est là c'est le capitaine de l'équipe nationale de Thaïlande, mais je me rappelle plus de son nom. Et ça c'est le capitaine de l'équipe nationale de Thaïlande. Donc je me rappelle plus du nom de ce joueur, mais bon, peu importe. Allez c'est parti pour ce match. Pendant je vous rappelle l'équipe nationale de Thaïlande opposée à celle de Taïwan. Et si vous êtes sage, j'essaierai de voir si je peux vous lancer aussi un autre. À notre match, justement, avec l'équipe nationale du Japon hein, et peut-être bien d'autres aussi. Bref, on verra. On verra. Allez, c'est parti, mais donc, mesdames et messieurs, pour l'instant. Alors, les Taïwanais, enfin, les joueurs de l'archipel de Taïwan jouent en jaune. Face à eux, l'équipe nationale de Thaïlande qui joue tout en rouge. Ouh, attention, parce que là, il y a une faute. Et premier carton jaune dans ce match. Eh ben, ça commence bien. C'est parti donc pour ce petit coup franc pour les Thaïlandais. Oui, attends, il n'y a pas en jeu. Non, je stoppais net. Ah, ils sont en mode Fus Rosa, les mecs. Attention, mesdames et messieurs, attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que les Thaïlandais. Wow, joli arrêt du gardien. D'ailleurs, dans Olive. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que ce jeu comprend une autre série de la franchise Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom, sortie en 1994, dans lequel l'équipe junior japonaise s'oppose à des équipes juniors de d'autres équipes, notamment il y a celle de Thaïlande, de Taïwan, je crois qu'il y a celle de Chine aussi. Bref. Attention, oulala, il faut faire gaffe parce que là, les. Ah, les deux équipes sont vraiment sont ultra vénères. Attention, oh là là, eh oh, du calme les gens, hein. Oh là 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 là. Et une autre faute. Coup franc pour les Thaïlandais. Ah oui, et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans thaïlandais et taïwanais, hein. Et. Siaparat, Siaparat.
Lee. Attention, et là on l'arrête pas de se bousculer. Oh, attention, ballon récupéré par les Thaïlandais. Attention, et c'est le but! Et ouverture du score de la sélection thaïlandaise. But signé Siaparat. On va voir ça. Ah mince, il n'y a pas de ralenti. C'est dommage. Bon, pas grave. Allez, c'est parti. Donc, 1-0 pour la Thaïlande. Et on démarre au quart de tour. Attention, 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 attention. Chiang Pai. Won. Lee. Oh, et faute. Faute thaïlandaise. Et cette fois-ci, c'est un coup franc pour les Taïwanais. Bon, le jeu, franchement, ma foi, est pas trop mal. Pas encore faut-il qu'il l'ait vraiment. Attention, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que non, ça suffira pas. Et je l'arrête du gardien thaïlandais. Attention, 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 parce que là, il faut faire gaffe, faut faire gaffe, faut faire gaffe, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Oh là 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 là. Et les gens, du calme. Ouh, hé, du calme, les gens, du calme, hein. Pas besoin de, comment dirais-je, d'être vénère pour posséder le ballon. Allez, qu'est-ce que... Oh, attention! Une super attaque! Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Ah! Ah, là, c'est l'un des joueurs de l'équipe, celle de Thaïlande, dont je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est deux frères. Attention! Est-ce qu'il va tirer? Est-ce que le gardien taïwanais va-t-il l'arrêter? Oh, attention! Ouh, là, il l'a arrêté! Ouh là 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 là. Ok. Et première alerte. Enfin, plutôt deuxième alerte du côté taïwanais. Attention, et là une nouvelle faute taïwanais et deuxième joueur taïwanais averti. Bon, ok, je vois que visiblement on a affaire à un jeu mais totalement mais fulgurant. Attention, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, mesdames et messieurs. Ça va, ça va, ça va, ça va. Le jeu, franchement, est pas trop mauvais. Ça va. Les grâces plus dans ce jeu bon, sont un peu correctes, mais bon, ça va. On a vraiment mais vu mieux, quoi. Allez, c'est reparti. Et là, on commence à se bagarrer du côté thaïlandais pour la possession du ballon. Et joli arrêt du gardien, Wan. Ballon repris par les Taïwanais. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Là, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Attention, est-ce que les... Est-ce que... Non, non, dommage. Ah, j'aurais tant voulu une égalisation taïwanaise, je sais pas pourquoi. Bon, ça va, franchement, c'est... On s'attend à mieux, on s'attendait à mieux. Attention, oh là 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 là. Oh, le fils... Ah, mais moi, de fus rosé, les mecs. Attention, wow, joli arrêt du gardien. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps... Et on se tatane, on se tatane, on se tatane. Oh, attention! Ah, là, super attaque! Super attaque! Et là, c'est l'un des joueurs de l'équipe nationale de Thaïlande qui va tirer. Oh, je me rappelle plus de son nom. Attention, est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va l'arrêter? Est-ce qu'il va l'arrêter, le gardien taïwanais? Est-ce qu'il va l'arrêter? Ou but! Et deuxième but thaïlandais. Eh ben, GG les mecs, franchement, fallait le faire. Donc, 2-0 donc pour la Thaïlande. Ah oui, j'ai laissé l'IA jouer à ma place. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez sans arrêt le mot comme par-ci, comme par-là. Hein. Allez, on continue, on continue, on continue. Voilà, Wang Li. Surpris par Lang Song. Oh, et faute, et faute. Et coup franc, nouveau coup franc pour les Taïwanais. Ah, on démarre vraiment, mais au quart de tour. Nouveau coup franc pour les Taïwanais. Est-ce qu'il va... Attends, attends, il a réussi à récupérer le ballon. Attention, attention, ah mince. Cette fois-ci, ce sont les Taïwanais qui... Et plutôt les Thaïlandais qui ont réussi à récupérer le ballon. Ok.
Ben, récupéré par les Thaïlandais. Attention, est-ce que... Est-ce que... Non! Ouh là là! J'ai eu peur. Ah! Mi-temps! Eh ben, mesdames et messieurs, je pense qu'on a affaire à un match, mais totalement, mais fulgurant, entre deux équipes qui ont à petit peu près, à moyennement le même niveau, mais bon, au moins, le match est agréable à voir. Donc, la Thaïlande mène 2-0 face à l'archipel de Taïwan. Bon, on se sépare un petit moment pour une petite page de pub, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Taipei, sur l'archipel de Taïwan, à vous, Paris! Moi, j'aime le noir. Et plus principalement, le Nutella au chocolat noir. Nutella au chocolat noir, une saveur très gothique. Nous sommes de retour ici à Taipei, sur l'archipel de Taïwan, pour assister à la deuxième mi-temps de ce match palpitant entre la sélection thaïlandaise et la sélection de l'archipel de Taïwan. Pour l'instant, c'est l'équipe de... Ouh, attention! Pour l'instant, c'est l'équipe nationale thaïlandaise qui mène au score 2-0. Et troisième faute taïwanaise et troisième joueur taïwanais averti. Faudrait qu'ils fassent gaffe les Taïwanais parce que là il y a trois joueurs avertis, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. C'est reparti, attention! Oh là 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 là, et encore un autre carton jaune, oh là 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 là. Ok, visiblement ils sont mal les Taïwanais, ils sont mal. Coup franc thaïlandais, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va... Oh attention! Oui, c'est but! Et troisième but pour la sélection thaïlandaise. Et les Taïwanais qui sont de plus en plus mal. Oh attention, 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 parce que là pour l'instant ils sont salvateurs. Ils sont salvateurs les Thaïlandais. D'ailleurs, si je me souviens bien, ils ont affronté l'équipe nationale du Japon dans la série. Et les Japonais ont réussi à battre ces Thaïlandais, mais difficilement, hein. Surtout avec comment dirais-je, le but de Jun Misuji, enfin Rulian Ross. Ah, attention, parce que là, pour l'instant, là, il y a un autre joueur thaïlandais. Oh, attention! Ouh, joli. Joli arrêt du gardien. Mais c'est pas fini. Attention, 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 mesdames et messieurs. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Attends, oulala, là 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 là, et encore un autre tacle. Un mode tacle assassin, mesdames et messieurs. Est-ce que... Non, c'est bon, ça ne suffira pas. Bon, si vous nous rejoignez, l'équipe nationale de Thaïlande met nos scores 3-0 face à la sélection de Taïwan. Sinon, le jeu, franchement, est pas trop mal. Mais il faut vraiment être un véritable fan hardcore de la licence Captain Tsubasa et qui plus est Yves et Tom pour y jouer. Parce que là, franchement, c'est. Le jeu est bien, mais bon, comme je viens de vous dire, il faut vraiment être un véritable fan hardcore, si je puis dire. Attention, il n'y a pas hors-jeu du côté thaïlandais! Est-ce que. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on continue. Attention, mesdames et messieurs! Et là, les Thaïlandais sont de plus en plus salvateurs. Attention! Ouh, joli arrêt du gardien. Eh, ça va, franchement, il se débrouille bien, ça va. Il se débrouille bien, il se débrouille bien, il se débrouille bien, il se débrouille très bien. Mais vraiment. Attention, oui, allez, allez, on se défonce du côté. Attention, allez, cette fois-ci, il y a une autre faute. Ah, et nouveau coup franc pour les Taïwanais. Je vous rappelle le score, la Thaïlande mène 3-0 face à Taïwan. Attention, est-ce que ça suffit? Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Non, 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 non. Ah, les Taïwanais qui sont pas mauvais, qui sont plutôt pas mauvais, mais le problème c'est que ils n'arrivent pas à forcer le verrou, comme on dit. Attention, attention. Et là, on se dispute encore la possession du ballon. Allez! Allez, on continue. Le ballon est de nouveau pour les Taïwanais. Et non! Ah, dommage, dommage. Allez, on continue, on continue. Allez, ah, ça va, attendez. Petite occasion pour les Taïwanais pour réduire. Attention! Est-ce que non? Encore raté.
Oh, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment trop dommage. Pourtant, j'espérais, ne serait-ce qu'un petit sursaut pour, de la part de ces Taïwanais. Ah, attention! Super attaque! Super attaque! Par un joueur de l'équipe nationale de Taïwan. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que... Ouh, attention! Est-ce qu'il va réussir à l'arrêter? Oui, c'est le but! Et les Taïwanais marquent enfin un but. Bon, c'est pas grand-chose, certes, mais bon, au moins ça leur permettra de, comment dirais-je, de sauver un peu l'honneur, si je puis dire. Donc, Thaïlande 3, Taïwan 1. C'est reparti donc pour la. C'est reparti, c'est reparti, c'est parti. Attention, super attaque, super attaque, super attaque. Oui, alors pas comme c'est comme dans la série, ils ont des super attaques les équipes. C'est vraiment mais un jeu à la Dragon DBZ si je puis dire. Attention, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Oui, il a eu. Deuxième but taïwanais. Et les Taïwanais qui retrouvent petit à petit le sourire. Ah, mine de rien, ils peuvent encore égaliser, hein. Ils peuvent encore égaliser les Taïwanais s'ils y arrivent. Allez, c'est reparti. Donc, la Thaïlande mène 3 buts à 2 face à la Taïwan. Mais attention, parce que les Taïwanais n'ont pas encore dit leur dernier mot. Attention! Ouh, un autre tacle assassin. Mais faire attention, parce que les Thaïlandais n'ont pas dit encore le dernier mot. Attention! Oui, jolie récupération. Jolie récupération. Oh, et on continue. Allez, encore. Allez, oui. Allez, allez, allez. Ah, dommage, ils ont chippé le ballon. Bon. Bah écoutez, s'il le faut, on essaiera de voir si on pourra lancer d'autres matchs. Ah, parce que franchement, le jeu est pas mal. Attention, est-ce que... Non, c'est bon. Est-ce que... Non, encore un autre arrêt du gardien. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match. Et la Thaïlande mène toujours 3 buts à 2 face à Taïwan. Allez-y, mais prenez le ballon, qu'est-ce que vous attendez? Restez pas là comme des piquets. Oh, faute. Et coup franc. Coup franc pour qui déjà? Eh ben pour Taïwan. Allez, ce sera le dernier avant la fin de cette mi-temps. Équipe plaisait de ce match. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Attention, est-ce que non? Allez les mecs, on y croit, on peut encore égaliser. On peut encore égaliser du côté taïwanais. Allez, on continue, 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 mesdames et messieurs. Attention, ah mince, il s'est fait, je sais pas le ballon. Non, récupération, récupération thaïlandaise. Et c'est être la fin du match dans un instant. Attention. Là, c'est bon, on a récupéré le ballon du côté taïwanais. Écoutez, thaïlandais, on se va, on essaie de maintenir le cap. Est-ce que... Non, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, mesdames et messieurs, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, mesdames et messieurs, attention, et c'est la fin du match. Eh ben, victoire, belle victoire à l'étriqué de l'équipe nationale de Thaïlande qui l'emporte face à des courageux Taïwanais qui ont tout donné dans ce match. GG à eux et GG aussi aux Thaïlandais d'avoir remporté ce match. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc de ce test. C'était donc Captain Tsubasa Shiget in the Tomorrow, sorti en 1996 sur PlayStation 1, un jeu qui comprend la licence de Captain Tsubasa ou Olive Eaton, ça dépend comment on l'appelle. Ben, un jeu de foot assez sympa, à tester uniquement pour les fans hardcore de la franchise Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom. Bref, le jeu est pas trop mal. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Alors, je vous rappelle le score. Victoire donc de la Thaïlande face à Taïwan, 3 buts à 2. Donc, GG aux Thaïlandais. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici, Taipei, sur l'archipel de Taïwan, à vous Paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.